Tu fais des conversations ou des fois aussi genre Rarement. Faudrait que t'essayes. Toi qui adore te filmer et tout, faudrait que t'essayes de faire à la minute papillon. Je sais pas si tu regardes des fois. Non. C'est des. Je sais plus comment il appelle ça. Des fast shoot ou un truc comme ça. Où en fait, il se répond à lui-même. Tu sais, genre, ouais, il coupe marrant, sa caméra. Ouais, puis il se... Et ça rend trop bien. Mais. Enfin, du coup, le débit est beaucoup plus rapide. Pareil. Oui, bah oui, dans le même genre, ouais. Mmh. Le débit est beaucoup plus rapide et ça gère bien. Enfin bref, Nico. Ok, bon bah, intro. C'est toi qui l'as fait. Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft. Aujourd'hui, très très spécial, nous sommes sur Amnesia, The Dark Descent, avec Bill et... Anthony. Tony. Tony Light, vous le connaissez bien. Donc voilà, Tony vient squatter, vient me rendre visite. Et on s'est dit qu'il fallait en profiter. De toute façon, lui, il m'a dit que j'allais pas y couper. Donc, Amnesia, voilà. Vous le voulez depuis longtemps, vous voulez me voir flipper devant. Alors, moi, je suis pas convaincu que je vais flipper, mais... Ouais, pas convaincu non plus. De toute façon, on verra bien. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Ça fait très bizarre. Ouais. Du coup, y de y se pas dire Skype, que... Il y a pas le micro. C'est... Ouais, je sais même pas comment je vais la mettre, la caméra, dedans... De se dire que vous nous voyez, mais vous voyez aussi l'écran, je... Ouais. C'est vrai que c'est la première fois qu'en plus tu fais aussi c'est la les première deux fois, en même ouais. temps. Ouais. Une première pour plein de choses. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. En anglais, forcément. I live in London, at... Donc moi, je comprends rien. Mayfair, what have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Bon, pour l'instant... Moi, je pense qu'on va flipper grave. On est dans l'ambiance de flipper. Ouais, c'est ça, on s'est mis dedans. Là. C'est raconter plein d'histoires qui font peur. Ouais. On est chaud. Et ça, tes histoires... N'est-ce pas? Ah, je contrôle le personnage. Alors, on connaît rien du jeu. Hein. J'ai regardé 10 minutes de playthrough, rien de plus. Comment j'ai... Ah. Ok, d'accord, fallait la pousser. T'es censé me guider, toi. Bah, te guider où? Il y a une porte, tu rentres, ça va, jusque-là... J'ai galéré, quand même, pour ouvrir la porte. On peut allumer les bougies. Et tu peux pas la prendre pour... Non, mais je peux prendre... D'accord. Non, vraiment, je sens qu'il va être flippant, ce jeu. Je crois que j'ai juste... Attends, c'est inventaire. Non. Ah. Donc ça, c'est mon cerveau. Ouais. Ça, c'est, je crois que c'est mon cœur. Apparemment, jusqu'à là. Et donc, je viens juste d'utiliser le seul truc que j'avais pour allumer un feu. D'accord. Mais tu peux vraiment pas la prendre, pourtant, il y a... Ça, c'est... Ça aurait été plus logique, là, du coup, de se balader avec. Donc là, on aurait dû avoir peur du coup de vent, je pense. Non, mais c'est comme... Vous savez, je vous avais tourné un truc d'SCP comme ça, avec une caméra et tout. Oula. Et ça m'avait tellement pas fait flipper que... Ouais, par contre, là, il y a des bugs dans le jeu, je marche dans la... Dans le... Non, mais c'est ça, c'est pas censé faire peur, c'est censé vraiment te mettre dans l'atmosphère. Par contre, là, je marche beaucoup plus lentement. Faut tirer, non, tu peux faire qu'avec une. Non? Il veut pas avec une. Ah, non, c'est bon. Alors, si tu pouvais traduire au passage. C'est pour m'expliquer que c'est les... ce que je viens juste de ramasser, c'est pour allumer des feux. Et que le nombre est indiqué ici.
autre. Tu crois que ça allait faire une grosse flamme? J'espérais. Donc voilà. En fait, on va pas essayer de se faire peur, on va tout casser dans la maison. Ah, oui, il va faire du ménage. La la la. Ça promet. Ah merde, faut encore la pousser. Putain, j'espérais te voir flipper sur cette vidéo. Sérieux, j'espère qu'il y a au moins un moment qui va te faire flipper. Mais peut-être qu'il faut être dans l'ambiance aussi. Hein. Bah là, on a éteint toutes les lumières, on a juste mis un spot sur nous. Non, c'est pour ça que je lève pas les yeux. Et si, il faut regarder la caméra. Là, je ne contrôle rien. Ça va le cerveau? Ouais, toujours. Premier truc qu'il teste, c'est quand même de se pendre au truc, quoi. Ouais, bon. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il est... Je pense qu'il va bientôt bosser pour les concepteurs du jeu et c'est lui qui va faire flipper les gens. C'est ce que je fais à longueur de journée, non? Allez. Maintenant j'attends que pourquoi j'ai il fait ça. Silencieux donc. Ah, c'est pour toi qui va faire plus flipper que le jeu. Oui, c'est trop ça. Non mais ça montre qu'on est pas dans l'ambiance, un truc comme ça aurait dû nous faire sursauter. C'est ça. Ah. Non mais aussi c'est le début, peut-être qu'on vous fera des ellipses. Sûrement. On vous a fait Troll of Duty avec mon accent. Ouais, ben, il reste Troll of Amnesia. Beware. Ah, et donc il faut pas que je reste dans le noir. Ah oui, d'accord, parce que ça a enlevé la lumière. Et donc je peux l'allumer ça ou non? D'accord. Donc merde. Ma souris n'a plus de batterie. Attends, je vais prendre le câble. Ok. Tout est réuni pour... Donc là, j'en suis où? Ah, plus tout à fait, hein, regarde. Ouais, plus ouais, vert. Ton cerveau commence à... On s'en était déjà rendu compte, donc ça va. J'y suis allé là-bas, ouais. Chargement. Oh là là, quelle tension, les amis. C'est violent. Putain, là, on va se faire, mais... Grosse pété par tous ceux qui vont nous dire « Mais non, mais faut être dedans !» Ben, on fait ce qu'on peut, mais on s'est dit que ce serait bien à deux, et... Ben, du coup... Non, et puis faut dire ce qu'il y a, nous on a peur de rien, de toute façon. Je dis ça. Non, mais par exemple, dans SCP, moi j'avais sursauté peut-être genre une fois. C'est Slender qu'il faudrait que j'essaye. Ouais, moi non. Mais le truc, c'est que ça me tripe pas de me faire peur. Oula, par contre là. Mais non, ça me tripe pas de me faire peur, donc à partir de là. Ah, ouh. C'est terrible. Devenir fou. Ouais. Peut-être que je devrais commencer à allumer des trucs autour de moi. Donc vous remarquerez que je tourne toujours à droite. Je sais pas si ça se remarque. Non, je l'ai même pas fait gaffe. Quand il y a un choix, je vais toujours sur la porte qui est à droite. Oui, oui, d'accord. Je veux juste trouver une source de lumière. Ah, bah voilà! Une lanterne! Ah, bah par contre... Ok. Bon, on livre. Bon, allez, je le jette. C'était dur. Tu peux pas essayer de l'allumer ta lanterne, tu l'as ramassée, non? Ouais, mais j'ai pas de...
J'ai rien dit. Tadam. Ah mais j'ai pas envie de tout utiliser non plus. Là, ça je pourrais l'utiliser mais... Donc là il y a de la lumière, c'est bon. Ah je peux pas l'ouvrir. Il peut pas ouvrir, il jette. Ça tu vois, je peux l'ouvrir donc je jette pas. Allez, un petit coup de ménage. Là. Il peut pas l'ouvrir, il jette. Oh là là. Oh, une lettre. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. Tum, his body tum, tum. Is old and weak, and yours pour ça que je suis pas, young je comprends rien and strong. Que... He will be no match for you. Il y avait rien à dire avant. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where okay. Alexander waits and murder. Et donc? Oh, il y a quelqu'un qui m'a demandé de tuer un autre. D'accord. Parce que et qui m'a dit qu'il y avait une ombre qui me suivait. Donc Daniel, ah, ça, j'avais suivi, Daniel, quoi. C'est moi, je crois. Oui. Enfin, c'est nous. Oui. Si, c'est si, nous. C'est nous parce que j'ai appelé la. Ouh, un levier. Ça a rien fait. Bah, peut-être derrière. J'ai appelé la partie Tony, Bill et Tony, donc. Oui, quand il dit c'est nous, c'est pas mes nombreuses personnalités. Hein. Faire, parce que ça, on va nous le ressortir. Ça a rien fait, hein. Mickey, viens-moi en aide. Quelle culture. Ah, t'es sérieux là? Je vais le faire combien de fois? Je sais pas, peut-être que je l'ai lâché. Moi, j'ai supposé que je commençais à le descendre, donc c'était bon. Bah, en fait, non. Bon, bah, c'est dommage, je me suis dit, bon, bah, parfois, on va publier cette vidéo-là, puis on verra, les gens nous conseilleront. Bah, non, en fait. On a trouvé sans vous. Ah! Donc, du coup, on va devoir continuer cette vidéo. Bon. Faudrait peut-être suivre l'histoire un petit peu plus. In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it?
The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Mmh. Mmh. Bon, visiblement, ça c'est notre objectif, donc en bon joueur de jeux vidéo, je vais tout explorer avant d'y aller. Logique, non? Logique. C'est pas ce que tu ferais, toi? Bah si, puis si tu peux trouver de la lumière... La lumière, ouais, c'est ça, tu trouves des petits trésors, des trucs pour te rendre la vie plus facile. C'est pas de là d'où je viens, les archives. Si, bah tu venais des vieilles archives. Pardon. Peut-être que là c'est les nouvelles archives. Le retour des archives. C'est pas comme ça qu'on écrit librairie en anglais. Ah, les livres rares écrits en latin. Ça se tient aussi, ouais. Ah, une lettre. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. Bon bref, impossible de creuser jusqu'à jusqu'au lever du soleil. On a trouvé la localisation dans les plaines. Comment, on ne sait pas. Quand je lui ai demandé de la tombe encore une fois, il a dit notre mère. Enfin, je fais au même rythme que lui, donc on s'en fiche. C'est au pire, t'attends qu'il ait fini, tu fais un topo. Non, ça s'appelle Languagecraft. Comme si ils apprennent de l'anglais en plus. Ah ouais, tu voulais m'apprendre l'anglais en même temps. Ah ouais, fallait le dire avant, je me serais concentré sur le texte. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Ah, c'est quoi ça? Sympa. Au début, je me disais que c'était un rat, mais... Il est bizarre, ton rat. Il est vraiment bizarre. Bah, il dit rien. En gros, c'est quelqu'un qui donne son service à Alexander Baron of Brandenburg pour 3 ans. C'est totalement gratuit. Ah. Et encore du temps. 17th May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Je crois quand même que lui, c'est nous, en fait. Hein. J'ai l'impression que Daniel, c'est nous. Oui, bah Daniel, oui, je crois que c'est nous. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. Bah, il l'a dit dès le début, non? Ouais, il a dit ouais. Je suis Daniel, ouais. Mais est-ce qu'on pourrait pas être l'ombre qui suit Daniel, sinon? Ouais, après, du coup, ça devient très philosophique. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great. Oui, Bill picole beaucoup aussi. Il essaie de le cacher, mais là il est filmé. Ouais. C'est de la vodka. Strange familiarity toward them, which haunts me still.
Mais là, t'es pas mieux, toi. Tu caches ton whisky dans ta monster. T'as dit une marque. Red Bull, Coca. Ah oui, c'est vrai, tu dois en dire un certain nombre. Ouais, je sais pas combien. Je sais pas, c'est pas 3. Pepsi. Crois. Voilà, j'en ai dit 3. Attends, c'est un labyrinthe. Ou pas. C'est là d'où je viens de sortir, non? Attends, je suis comment, moi? Non, ça va, hein. Tu vois, j'ai récupéré un peu de sanité. Dans le jeu, hein, dans le jeu. Je l'aime pas. Bah, je reste toujours en contact avec toi dans la vraie vie, donc... Oh, ouais! Je vais pouvoir rallumer ma torche. Enfin, mon... Mais en plus, je suis un peu déçu quand même. Je sais pas ce que je m'attendais, mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus. Il faut une vraie ambiance et ouais, le truc ouais, où on y joue à deux et on déconne. Je sais pas. Ouais, mais tu sais, je m'attendais à des trucs genre. Bah, moi j'attends de voir. Je sais qu'il y a des monstres. Il y a des monstres et on peut pas les buter, donc on est obligé de fuir. Je me dis que ça, peut-être que ça a créé son effet, quoi. Maps. Russe centrale, des papiers. Comment ça se fait qu'il y a des pierres qui tombent du plafond? Normal. Il va pas bien en tout cas ton personnage. Hein. Il est pas sous le bureau. C'est bien ton personnage. Ah non, c'est le contraire. Non. Je pense bien que si moi je passais sous le bureau, j'aurais plus que 3500 abonnés. Mais c'est une cinématique. Une demi-heure après. Qu'est-ce qu'il y a un jeu que vous aimez pas et que vous voulez qu'on le troll? Dites-le nous, on est très fort. Mais faut le faire vite, qu'on le fasse ensemble. Oui. Là, je sais qu'il faut que je... C'est cool. Eh ben, quel voyage! Floor plans. Donc des plans d'architecture, disons. C'est blanc quand même, hein? Mmh. Avec le spot en plus. Bon whisky?
the ground un peu fort. When there's a risk, everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Ok. Même pas faire de piano. Attends. Donc faut que je trouve une sortie là. Ah. Il y a une porte que j'ai pas encore empruntée. Bah déjà on arrive dans un endroit où il y avait une descente, tu l'as pas prise celle-là. Si. C'est pas faux. Parce qu'on était, on est monté un escalier. Ouais mais à part... Ah attends. Ça met fragile mais pas cassable à la main, je clique dessus, ça se casse. Peut-être qu'à mon avis, il aurait fallu que je prenne... Pour une fois, j'aurais pu ramener quelque chose pour le casser. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, okay, c'est un you'll have to start over. Oh, c'est une porte, ça, mais... a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Mais non, il va absolument le ramasser. Je casse celui-là. Bla 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 bla. Bah oui, mais tu l'as voulu, mais non, non, t'assumes, tu lis tout. Attends, il y a un truc qu'il faut que j'active ici. Tu vas faire ça avec tous les livres. Mais je suis persuadé qu'il faut l'ouvrir, ça. Tu vois, regarde. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Faut activer. En poussant, peut-être, non? Ouais, putain, voilà. Ouais. Peut-être pas comme ça, en tout cas. En tirant. Hmm. Bon, c'est peut-être un mécanisme. Mais oui, ça disait... il faut... Ah, regarde. Il était dur à voir lui. Ah. Boost. Heureusement qu'on peut pas le faire avec tous parce que... Ah. Ah. Tada. Eh ben. Je m'en lasse pas. Il va absolument se cacher dans une armoire. Il a été traumatisé par ses parties de cache-cache quand il était petit. La clé, la clé. Ok. Donc, tu vois, j'ai bien fait d'aller d'abord là. Mm-hmm. Ah, ok, je suis obligé de passer par là. Soit. Yahoo. Ok, maintenant faut retrouver. Je suppose que je ne peux pas compter sur ton sens de l'orientation. Ni de l'observation. Je crois que j'étais... Je suis arrivé par où en fait ?
Ce qui me semblait que j'étais arrivé par là, moi. Mais... Oui, d'ailleurs, oui, parce que ça m'a dit qu'il fallait que je trouve un nouveau chemin pour sortir. Sympa. Bah, je vais retenter par là, peut-être que j'ai raté quelque chose. Ah, mais oui! Bah. Ah, bah, c'est ouverte. Ok. Ah, et c'était la fameuse porte, d'accord. Donc, normalement. Bah. Tout ça, je l'ai exploré, il me semble. Oui, d'ailleurs, voilà, d'accord. Ah! Ah non, voilà, tu vois? Mm. Je savais qu'il y en avait des monstres. Ouais, mais alors sans... Enfin, des monstres, quand on peut se battre contre, ça va, mais... C'était quoi ce bruit? Je crois que c'est un orc. Mais tu sais, la baleine. Oui, oui. Tout va bien. Attention, attention. Quoi? Tu peux changer depuis la dernière fois, hein? Un peu, ouais. Moi, je suis arrivé par là. Ouais, il fallait descendre au milieu, là. À droite, ouais. Donc du coup, je vais faire tout sauf ça. Ah ben voilà. J'ai la clé de ça. Donc ça, je vais peut-être pas pouvoir y aller. Ou si. Ou si. Parce que j'ai la clé de l'autre truc. Tu sais, celui où je suis pas allé. Donc non, le truc tout en bas, je crois que c'est la raffinerie. Utile. Je vais rester là, moi. Ouais, on voit comment ma sanité. Ouais, c'est pas terrible. Je suis à côté de Tony. Il arrive parfois que je produise cet effet. C'est quoi, c'est... Ah oui. Trois petits points. Comment est-ce qu'on a? Il était donc là, l'orque. Ok, donc malheureusement, il n'y a pas de cheminée et c'est mauvais. Oh, ça va pas bien, hein? En même temps, avec toute la vodka que t'as vue. C'est quoi un vitae? C'est pas la vie. C'est la vie. Mais ah, c'est ça se tient. Ça serait de la vie. C'est la vie en latin. CV, curriculum vitae. Tiendrait, donc ce serait la vie artificielle et c'est des espèces de monstres qui seraient ces expériences passées qui ont échoué. Putain, j'ai servi à quelque chose. Pas mal. Ça doit changer, hein? Ouais, franchement. Mes cours de latin ont servi. Oh, c'est une histoire d'amour! Toujours qu'il y a une histoire de cul qui vient tout briser. D'amour, excuse-moi. Ok. Bon bah là c'est beau. C'est quoi, c'est tout dans le laboratoire? De toute façon, l'avantage c'est que je sais que si j'ai raté quelque chose, vous allez me le dire. Oui, c'est sûr. Donc il y a déjà ça. Mais ça manque de creeper quand même. Ouais. Non mais n'empêche, avec des graphismes comme ça, oh, il sera atroce. Ce serait énorme.
Donc là, on va au, au truc de vin. Ah, il faut que t'ailles prendre la clé. Elle a une demi-heure pour savoir comment utiliser la clé. Double clic. Ouais. Rien à faire, j'y ai pensé avant. Ouais. Je pensais en même temps. Ouais, voilà. Ah, je suis plus de pétrole. Sérieux déjà? Ouais. Bah j'en avais que genre deux trucs. Ah je croyais que t'en avais ramassé plein, mais en fait non, c'est autre chose. Là il se sert en l'air encore. Moi je comprends pas ce qu'ils disent, alors du coup je fais mon histoire. En gros c'est ça, hein, ils sont en train de gueuler, en train de dire qu'ils ont assez de vin pour toute ouais. une vie. Ah! Non, non. Mais hey, c'est insupportable ça! Ouais, ouais. C'était pas ramassable ce qu'il y avait sur la table? Ce truc vert là? Non, c'était juste une bouteille. Putain, pour une fois qu'il jetait pas un truc, faut que je. Merci, t'as fait. Aquaregia. Aquaregia. D'accord. Bla bla bla. Donc visiblement, Alexander a enfermé des gens qui sont mourus. Pourquoi ils se font chier à écrire 15 lignes, franchement? Ça va donner les conférences de Minecraft que tu vas nous traduire. Bon alors là, il dit qu'il a créé un jeu qui s'appelle Minecraft. Et que c'est génial. Voilà. Mais Bill, ça dure une heure. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit. Là, il a dit que... il allait donner plein de cadeaux à tout le monde et qu'il fallait tous les donner à Bill. C'est ce qu'il a dit. Putain de marteau, vas-y, dégage. Et pendant ce temps, Bill fait du bricolage. Ah. Non mais non, c'est... Bah ouais, mais tu touches à tout, après tu t'étonnes que tout s'écroule. C'était ma porte de sortie. Bah oui, mais tu donnes des coups de marteau aussi. Je donne des coups de marteau, il y a des gros... Bah oui, bah voilà. Logique. Normal. Ouais, voilà. Du coup, je suis par terre. Du coup, t'es tombé. Je ne vois rien. Vous devez en voir encore moins. Enfin, bon, la lumière dans la tête, dans le visage, ça doit pas aider, mais... Ça, c'est possible, en plus. Ah bah, ouais. Putain de moustique. C'est les mouches, ça, plutôt. Ça sent la mort. Ouais, mais moustique aussi. Ah, c'est sympa, ça. Un frisbee. Ah, je peux rien prendre, je voulais casser avec. Mais peut-être que ça va m'aider à sortir. Oui, oui, oui. Oh non, t'es sérieux? Normal. À une main, quoi. Bah, hé, t'as la classe ou tu l'as pas, hein. Tu peux pas test, yo. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est elle qui veut nous faire flipper en fait. Voilà, j'ai pu ressortir. Sans marteau certes, mais j'ai pu ressortir. Alors... Du coup, il faut que je répète, c'est ça.
Et juste comme ça, elle dure combien de temps de là depuis le début de la vidéo? Ça doit être à 40 minutes, non? Ouais. Ah. C'est dit qu'il y a un ennemi pas loin. Bon, on va s'arrêter à la rencontre de notre premier ennemi. Ah, on peut se baisser. Cool. Pourquoi il y a des choses qui tombent? Bah moi j'ai juste peur qu'il soit suivi de quelque chose d'autre en fait. Non, pas peur, je n'ai peur de rien, on a déjà établi ça. Certes. Je me sentirais mieux avec un marteau quand même. Je viens de là, non? Mmh. J'ai pas aimé le coup de y a un ennemi pas loin. Parce que du coup j'ai envie de rester dans l'obscurité pour pas qu'il me voie. Mais dans l'obscurité je suis en train de devenir fou. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Bah c'est tout, hein. Non, ça... Ouais, j'en sais rien. On a tout exploré ou pas? Bah... T'es mon copilote, hein. T'es censé faire gaffe. Je suis un très mauvais copilote. Je sais. T'aurais dû demander à ça. Oui, tu devais demander ça. Ah. Je m'attendais pas à des dégâts de chute. Je t'avoue que... Few cuts in the... Bon. Ah, tu crois qu'il faut que je monte par là? Non, clairement pas. Ouais, j'allais dire, je pense pas que tu puisses. Bon, y a rien ici. Hein. Oui, mais y a de la publicité mensongère, on s'attend trop à se faire. Non, mais si, tout seul, y a une ambiance. Non, mais je veux dire, on s'attend trop à ce qu'il y a un ennemi là. Ah ouais, c'est clair, bah je sais pas, est-ce que je l'ai raté? T'imagines? Oui, il sert à rater un ennemi. Je vais pas réussir à l'ouvrir avant ça. Ah mais si. Bah si. Non, c'est pas la même ça. Bah... Oui, si. Il me semble que si. Ah si si, je suis là. Bah oui, si si, je suis rentré ici. Je ressors. Très très longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, peut-être qu'il y en aura un autre, hein. Tony est là pour encore quelques jours, on va le poster tout de suite, comme ça, si ça vous plaît, on en fera un autre. Peut-être que vous nous direz, mais si, si, continuez, ça vous peut faire très très peur. Il en dira, oui. Ah, et tu vois, visiblement, j'ai dû finir ça aussi, parce que tout est devenu ensanglanté et horrible. Et ça, par contre, c'est trop chiant. Ah, n'empêche que t'as eu un petit... Mais c'est atroce aussi. Bon, vous aurez vu quand même... C'est quoi, là? C'est un petit sursaut. Ouais, un petit sursaut. Alors, léger, hein. Okay. Bah voilà, visiblement, on a tout fait. Tout ce qui nous reste, c'est la porte de la raffinerie. Donc, c'est là qu'on va aller. Parlez-nous. Est-ce que vous voulez voir la suite? Même si là, on n'a pas eu... peur. Vous avez quand même eu un sursaut. Ouais, voilà. Non, on va pas ouvrir ça. On vous attend. On va sauvegarder là tout de suite. Et voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Salut.